N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Dans un entretien accordé à Paris Match le 18 avril 2024, Anthony Delon s'est ouvert sur sa relation avec sa fille aînée, Allison, qu'il a reconnue plus tardivement. Il exprime une grande fierté en parlant de ses réalisations actuelles. Pendant longtemps, il n'avait pas reconnu Allison, née de sa précédente union avec une ancienne danseuse. Lors d'une interview croisée avec Paul Belmondo, Anthony Delon a discuté de son expérience en tant que père. Il déclare « Je suis père de 3 enfants et j'ai appris à faire de mon mieux dans ce rôle », avant d'ajouter qu'il s'efforce de corriger les erreurs commises précédemment avec ses enfants. « J'ai bénéficié du soutien de la mère de mes filles, Sophie Clérico, à qui il a été marié de 2006 à 2012, jusqu'à notre séparation. Lorsqu'elle a déménagé aux États-Unis il y a 10 ans, j'ai pris la responsabilité de nos filles, Liv, qui avait alors 13 ans, et Lou, qui en avait 18 », partage-t-il, sans mentionner spécifiquement sa première fille à ce moment de la conversation. Anthony Delon s'est récemment confié sur la vie actuelle de ses filles. À propos de Lou, il a partagé qu'elle avait poursuivi des études de droit qui l'ont aidée à s'organiser, puis un master en communication. Elle a maintenant un emploi très satisfaisant, a-t-il commenté avec admiration pour son parcours. Pour sa cadette, Liv, il a révélé qu'elle débutait un master en communication et marketing. Anthony Delon a aussi parlé de sa fille aînée, Allison, qui a eu une carrière de mannequin. Allison, que j'ai reconnue plus tard, explore encore différentes voies. Sa vie n'a pas toujours été simple, mais c'est son parcours personnel. J'espère qu'elle trouvera ses réponses, a-t-il exprimé. Anthony Delon a évoqué les tensions passées avec la mère de sa première fille. En 2005, il exprimait des regrets concernant leur relation. « Ce n'est pas le fait de ma paternité qui importe à cette jeune fille et à sa mère, mais plutôt l'usage de mon nom et de mes ressources. Cela me rend triste, surtout après m'être volontairement soumis à un test de paternité il y a quelques années pour clarifier la situation. Malgré cela, elle m'a intenté une action en justice », avait-il regretté à l'époque. Heureusement, les années ont permis de surmonter ces différends. Aujourd'hui, Anthony Delon et sa fille aînée cherchent à reconstruire leur relation et à aller de l'avant ensemble.